on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, même si vous avez vu quelques petites images avant de 2-3 trucs que j'ai fait. Maintenant de filmer ma Yule, donc ma moule pâte, et j'hésite vraiment à en acheter un deuxième. Je vais aller regarder ça après. Bref, aujourd'hui j'ai reçu l'argent du remboursement du trop perçu qu'on a payé à Total Energy pour l'électricité, ce qui fait pas mal bien parce qu'on a reçu 170 €. Donc c'est tout cool. Donc d'ailleurs faut que je refasse mes calculs pour savoir exactement combien il me reste comme budget pour la fin du mois. Ça et puis je ne sais plus. Ouais, hier je me suis couchée assez tard, j'ai fait quand même beaucoup d'écriture d'articles de blog, je vais recommencer là tout de suite. Mais après je me suis couchée assez tard parce qu'en fait j'ai reçu un commentaire sur ma chaîne secondaire pour me dire que la poignée d'Ashoba dans laquelle je me blinde la taille, c'est qu'apparemment j'aurais pas reçu la bonne taille. Donc voilà, je suis en train de voir pour contacter la créatrice, mais de toute façon je vais la garder parce que vu le délai, puisque j'avais commandé en novembre un truc comme ça, bah en fait d'ailleurs c'est pour ça que je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas encore fait le réel, etc. Je suis très en retard. Coucou des didous. Je vois avec elle si c'est vraiment une erreur de sa part que j'ai reçu la mauvaise taille, si c'est vraiment la taille petit chien ou si c'est vraiment complètement l'arrache. Mais c'est vraiment cool que son site il est très mal fait, le site, donc je parle de la boutique Nashoba, parce qu'en fait je me rends compte qu'il n'y a pas d'aperçu pour les produits que tu sélectionnes en option, et il n'y a pas d'aperçu sur une taille grand chien, une taille petit chien, ce qui est assez bizarre pour une grosse boutique comme ça. Alors que même la plupart des petites boutiques, c'est un peu un béaba pour tes clientes pour pas se perdre là-dedans. Bref, je vais pas revenir là-dessus, j'ai fait tout un speech là-dessus. Mais il va falloir que je m'occupe de filmer le réel, d'ensuite la modifier. Et j'allais oublier, je voulais aussi modifier, je vais essayer de faire ça avant d'aller à Disney, parce que j'aimerais bien beaucoup modifier mon sac avant ça. Je devais prendre la laisse que j'avais achetée chez... Il y a trop de mémoire, chez Toutou Toulouse, la rêve de baleine, pour la découper, pour en faire une poignée, et que la sangle qu'il me reste pour en faire une sangle amovible qui ira sur mon sac rose que j'ai acheté et que je trimballe partout ces derniers temps. Bref, de toute façon, je ferai certainement un DIY, etc. Je ferai une petite aperçu de toutes ces modifications. Pour l'instant, on attend, je suis presque en vacances. Là, il ne me reste plus que 2 jours à faire, après c'est les vacances. Et aujourd'hui... j'ai découvert un truc. Bon, je vais pas pouvoir encore, ça commence à durer depuis trop longtemps, je vais avoir encore beaucoup de mal pour le peu de personnes qui ne sont pas au courant de la future race que je veux. Ça va être difficile de vous les cacher, surtout après ce que j'ai vu aujourd'hui, mais bon, comme ça les plus assidus seront au courant. Je vais pas vous le dire en direct. Pourquoi j'ai un anniversaire Discord, c'est quoi, qu'est-ce que c'est, parce qu'en fait aujourd'hui, en fait la race que je veux, même si ça ne vous dira pas tout dans l'exactitude de la chose pour ceux qui ne sont pas au courant, le chien que je veux est un chien qui est un personnage Disney. Déjà, ça vous limite pas mal les races. Je l'avais déjà vu en sac à dos, je rêve d'avoir ce sac à dos de cette race de chien. Pour l'instant, je ne le trouve pas. Et c'est un personnage qui est très sous-côté et très peu mis en avant. Sauf qu'en fait, je suis un youtubeur qui s'appelle Wonderhook. Il a sorti une vidéo aujourd'hui pour parler des passes annuelles. Et il a fait le temps d'avoir son pass annuel et puis d'avoir une place pour rentrer dans le parc. Il a fait un petit tour dans le Disney Village. Et quand il est rentré dans le Disney Store, donc de celui qui est dans le Disney Village, je crois que c'est le dernier Disney Store encore ouvert à l'heure actuelle, parce que celui des Champs-Élysées a fermé, celui de Haussmann a fermé, et puis après les autres je ne sais pas, mais apparemment je crois que de ce que j'ai compris c'est le dernier. Bref, qu'est-ce que j'ai pas vu? En fond, la peluche du chien que je veux, de ce personnage si sous-côté qu'on ne trouve nulle part, je l'ai vu en peluche. Donc j'ai mené ma petite enquête sur les différents contes de Disney, et il est aussi présent dans le parc dans une collection de peluches que j'avais déjà vu quand j'avais fait le réel sur les chiens que j'avais filmé dans le cadre de Disney, ou même dans mon vlog. Il y avait déjà plutôt de cette collection là et là en fait ils ont rajouté ce personnage là. J'ai encore plus envie d'aller à Disney, j'en ai un peu plus, j'ai trop envie. Donc là l'objectif c'est que déjà je me régule de pouvoir dormir correctement avant Disney, que je finisse mes oreilles, et après je suis juste impatiente d'aller me délirer sur le parc. Alors les chiens vont être exceptionnellement la journée très longtemps tout seul. C'est pour ça que bah, les vlogs je les monte en retard, pour que vous ne sachiez pas exactement et que personne ne sache exactement quand est-ce que je ne suis pas à la maison, et que je n'en parle pas en story, que je suis très évasive sur tout le temps. Mais donc ouais, on va partir aux environs de 6h du matin et on rentrera aux environs de
Une heure du matin, le lendemain. Ouais, donc, mais c'est quelque chose de très, 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 très exceptionnel. Les miens l'ont déjà géré plusieurs fois. C'est déjà arrivé plusieurs fois que je le fasse quand. Après, pas plus d'une fois par an. C'est maximum deux. Mais ça m'arrivait quand j'allais à la Wamiz Run ou ce genre de choses, ce genre d'événement. Mais voilà, ils le gèrent. Bon, après, pas forcément, les miens ont quelques accidents. Mais Skull le gère pareil à merveille. Comme d'habitude, on lui ramène deux cadeaux surprise pour pas que ça le déboussole plus que ça. Mais voilà. Bref, ça reste quelque chose de très 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 exceptionnel. Certaines personnes les confièrent à des nounous. Nous, la dernière fois qu'on l'a confié à quelqu'un, ça s'est très mal passé. Autant qu'il saute aux gardes, ça se passera bien mieux. Bref, ça reste quelque chose de très exceptionnel et on préfère ça comme ça. Peu importe. Chacun fait comme il le sent et comme il le ressent en fonction de plein de critères différents. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et bref, donc ouais, va falloir que je me régule sur mon sommeil, que je prépare une playlist pour mon télé, pour ma clé USB dans la voiture, que je me rajoute quelques autres musiques de Disney. Bref, il y a encore quelques bric-à-brac à faire. Et là, faut tout de suite que je calcule mon budget. Et sinon, pour le produit du jour que je voulais vous parler, qui est un produit qui n'est absolument pas fini parce qu'en fait, il est quasiment entier. Je sais pas si vous allez pouvoir voir à travers, mais il est quasiment entier. C'est du savon noir à l'huile d'olive que j'avais acheté parce que soi-disant, parce que ça fait 3 ans qu'on se bat contre les fourmis qui attaquent un de nos arbres. Cette année, j'espère que j'ai trouvé la méthode, c'est qu'en fait, j'ai envahi le Riviera dans lequel pousse notre arbre de citronnelle, et la citronnelle est montée tellement haut que pour l'instant, on n'a pas vu la moindre fourmi, tellement la citronnelle est envahissante au niveau de l'arbre. Donc, j'espère avoir trouvé la solution. Mais j'ai acheté un nombre incalculable de choses, et j'ai fini par acheter savon noir, le soi-disant produit miracle anti-puce et anti-fourmi. Rien, nada, ça n'a jamais fonctionné. Aucune solution n'a fonctionné de toute façon de tout ce que j'ai essayé. Donc je me suis dit, pas pour ne pas le perdre, parce que ça m'embête, soit du gâchis, je vais l'utiliser pour laver ma pièce. Ça pue, c'est une horreur, c'est une catastrophe, l'odeur que ça a. Donc, ça dégage parce que juste, je ne sais même pas si je peux le ressentir, là, mais... Ah, oh, c'est infect, c'est juste infect comment ça pue. Ouais, non mais vas-y, fais pas genre que ça donne envie. Donc, non, je vais m'en débarrasser et je ne le rachèterai pas. Voilà. Bref, donc voilà pour aujourd'hui. Donc je me rattaque à faire mes articles de blog, essayer de pas me coucher trop tard encore une fois, et puis faire mes calculs de compte, et puis regarder, jeter un petit coup d'œil pour un futur mille pattes, je ne sais pas du tout quand, mais juste que je regarde un peu, sachant qu'il faut pas que je reprenne du tout la même espèce pour être sûr qu'il n'y ait pas de reproduction, parce que je n'aime pas que les insectes pullulent partout, j'aime pouvoir gérer pour pas qu'il y ait de petits. Voilà. Bref, on verra qui c'est qu'aura deviné avec les indices que j'ai dit au niveau de la race que je vais prendre.